Ayan ang ay sa inyong lahat. Kain po tayo. And kami po ay kakain ng bulalo. Ayan, may bulalo, may hot dog, may french fries. So, ang kainin po ng ating Indoy ay hot dog and french fries kasi hindi siya kumakain ng sinabawan. So, si Indoy lang kakain. So, kuha po tayo ng kanin. Kanin. Start na on. Malapit yan eh. Ayan, kain po tayo. Tayo mga kaindoy, kaindoy. Malapit ko siya ni. Il y a le bagage cockpit et c'est une bonne réponse. Alors très intéressant. Déjà il y a 1000 euros pour un téléspectateur qui sera tiré au sort dans 10 minutes pour ces 1000 euros que vous allez gagner. Makabulalo naman si Inday. Pulas. Ano ba to? Gulay-gulay. Ang gulay-gulay ba? Sili. Ang rapidement, sans effort. Oui. Une perceuse visseuse sans fil sur la base. Une main à outils en tôle d'acier solide avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Valeur de la Abricole Mania, 540 euros. Et alors là, ça commence à gonfler au niveau des cadeaux. Ça gonfle, ça gonfle. Avec. Alors, avec la tablette tactile, la machine à café au chocolat, l'autre peluche, trotte électrique, smartphone, imprimante, photo, table de chevet, casse-verre, des cuiseurs, l'enclume, robot multifonction, console de jeu. Les miennes fermeurs, le téléviseur géant, la théière et la voiture, c'est un SUV. T'avais dit la machine à café au chocolat, c'est génial. La café, non, j'ai dit la machine à café et chocolat. Et alors, valeur de cette très très belle étoile 35 938 euros. Alors là, ça devient assez chaud. Normalement, tu étais bon sur les indices. Est-ce qu'il a fait l'effort d'aller chercher sur internet? Souka, on va savoir tout de suite avec 12 secondes de réflexion. Bien, on est parti sur Aldo Machiol. Alors c'était intéressant. Pas mal, hein. Mais il y a quand même une espèce d'éventail qui nous permettait de penser à l'Espagne et non à l'Italie. Aujourd'hui, où en êtes-vous dans vos réflexions? On voit un globe terrestre maintenant. Oui. Et je vais rester dans l'aventure, c'est l'aventure, et proposer Lino Ventura. En plus, c'était l'acteur préféré de ma mère. Ah, est-ce Lino Ventura? Découvre tout le monde à 5, 4, 3, 2, 1, étoile. Alors là, on est plus sur l'aventure. C'est l'aventure. Est-ce que c'est la grande classe? 35 938 euros de cadeaux. Je vais juste vous remercier et souhaiter encore une bonne fête à tous les grands-pères aujourd'hui. Pense la plus longue autoroute du pays où ont lieu des courses-poursuites spectaculaires et où des bikers se livrent à des rodéos sauvages. La seule chose qui peut arrêter, c'est la mort. Stéphane Carpentier aujourd'hui sur les routes les plus dangereuses du monde, mardi à 21h05 sur W9. Ah, je te l'ai mon. Ah bah oui. Aïe. Elle va encore nous faire l'indien tout à l'heure. Entre 25 et 30 cm sur le
de l'après-midi, on retrouvera la zone perturbée s'étirant de la Belgique au sud-ouest au golfe du Lion. En fin d'après-midi, les orages se déplaceront vers le Lyonnais, le front glissera vers le nord-est et le nord de la Haute-Savoie. Le vent soufflera un peu moins fort, allant de 50 à 70 km. Les températures débuteront à partir de 18 degrés à Dijon, 22 à Montpellier, 26 degrés à Ajaccio. Très belle journée à tous. C'était M6 Météo avec Alliance. À se engager pour la protection de notre planète. Alliance, avec vous pour aller de l'avant. C'était M6 Météo avec les élémentaires UPSA pour soulager tout, maux de gorge, nez bouché. Dispositif médicaux à base d'acide d'origine végétale. Mais elle se lève d'art. Quoi? Le seul bouton. Hein? Oui, il y a eu certainement. Tout le monde, il est fatigué, hein? Un peu plus triste. L'homme d'affaires est décédé à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer contre lequel il se battait depuis plusieurs années. Nous serons en direct de son domicile parisien où il s'était entouré de sa famille. Il avait fait fortune dans les années 90, mais sa vie ne se fait pas. Il fut aussi ministre de la ville, patron de l'OM, acteur, chanteur, homme de médias, un battleur à l'énergie débordante qui ne laissait personne indifférent. D'ailleurs, les réactions pleuvent depuis l'annonce de son décès de tous bords et toutes saluent l'homme de combat aux multiples vies, capable de se relever après les épreuves. Nous serons en direct de Marseille où les fans de football sont en deuil ce matin. Dans le reste de l'actualité, la fin de la vigilance rouge en Loire-Atlantique, il a beaucoup plu. Les pompiers ont effectué des centaines d'interventions. Tout ça. Le département reste en alerte. Je ne sais pas. Et puis, peut-être côté édition du prestigieux Star Prix de l'Arc de Triomphe cet après-midi. Nous rejoindrons nos envoyés spéciaux à l'hippodrome de Paris-Longchamp, Karine Galli et Guillaume Comès. Le grand titre de l'actualité de ce dimanche, c'est donc la mort de Bernard Tapie. L'homme d'affaires, ancien ministre, ancien président de l'OM, ancien acteur, s'est éteint à Paris à l'âge de 78 ans, des suites d'un cancer. Le décès de cet homme au charisme indéniable, à la verve fleurie et aux multiples vies, ne laisse personne indifférent. Son dernier combat, il l'avait consacré à lutter contre la maladie. Bérénice Lestre et Pierre Corbière. Il a livré ici son ultime combat, celui contre la maladie, un cancer qui le rongeait depuis 4 ans. Dès l'annonce de sa mort, de nombreux passants sont venus déposer des fleurs devant son hôtel particulier. Pour eux, c'est toute une époque qui s'en va. Vous pouvez pas comprendre que nous, en tant que Marseillais, on l'avait dit pendant des années, à Paris, vous ne pourrez jamais vivre ça. C'est un grand homme, il a marqué son histoire, il a marqué la vie française. C'est un grand Français pour moi, et j'avais besoin de venir ce matin. C'était un homme d'affaires, mais il était simple. Il restait simple. Bernard Tapie s'est donc éteint à l'âge de 78 ans. Au revoir mon phénix, écrit son fils Stéphane sur les réseaux sociaux. Un écho à ses 1000 vies qui n'ont jamais laissé personne indifférent. Mais ce matin, Jean-Louis Borloo a voulu rendre un hommage plus intime à celui qu'il considérait comme son frère. Certes, il était beau, il était intelligent, il avait des fulgurances. Mais il y avait surtout un truc qui faisait qu'il avait de la lumière, c'est qu'il avait... De la générosité, le cœur à travers le sourire. Ce matin, l'ensemble de la classe politique française a salué sa mémoire, à commencer par le premier ministre Jean Castex. La première image qui me vient, c'est celle du combattant. Pour ses idées, ses convictions, je rappelle qu'il a toujours été très engagé contre l'extrême droite, mais surtout pour des causes. Son peuple, sa ville, je m'incline à mémoire de Bernard Tapie. Ses dernières apparitions publiques montraient un homme fatigué, affaibli par son cancer, mais toujours combatif. Chacun se souviendra donc de son Bernard Tapie, homme d'affaires, ministre, showman, et enfin un exemple de volonté face à la maladie. Cyril Stadler, nous vous retrouvons devant le domicile parisien de Bernard Tapie, rue des Saints-Pères. C'est là qu'il s'est éteint, paisiblement, c'est en tout cas.
Juliette a dit, son décès est survenu aux alentours de 8h40 ce matin, selon un communiqué de presse de sa famille. Il est mort paisiblement, entouré de sa femme Dominique, de ses enfants, de ses petits-enfants, également de son frère. L'état de santé de Bernard Tapie s'était aggravé ces derniers jours et donc de nombreux proches s'étaient relayés à son chevet, notamment Brigitte Macron il y a 15 jours, mais aussi son ami de toujours, le publicitaire Jacques Segala, qui lui était venu il y a 2 jours. Vous l'avez vu, de nombreux anonymes viennent depuis ce matin rendre hommage à Bernard Tapie. D'ailleurs, il y a tellement de passages maintenant que la rue des Saints-Pères vient d'être barrée et des barrières viennent également d'être installées. On a également vu ce matin un défilé des proches de la famille Tapie, notamment son avocat, l'avocat de Bernard Tapie, Maître Ténine, venu se recueillir, venu dire un dernier au revoir à Bernard Tapie, ici à son domicile parisien. Mais c'est à Marseille, la ville de cœur de Bernard Tapie, que l'ancien homme d'affaires a choisi d'être inhumé. Merci, Cyrielle Stadler, pour ces toutes dernières informations. Bernard Tapie, c'est l'homme de tous les possibles. Fils d'ouvrier, il se lance à corps perdu dans toutes ses passions, la chanson, l'automobile, puis le business. Il devient d'abord d'ailleurs un symbole de réussite sociale, un homme d'affaires flamboyant que l'on ne peut enfermer dans aucune case. Il s'impose en politique, dans le sport, dans les médias, le cinéma. Rien ne semble résister à son énergie abondante, seule constante dans sa vie, sa femme et sa famille. Grégory. I'm gonna try some more. Ça va au lance, ça va maintenant. Chanteur, mais aussi pilote de course avant de débuter sa carrière d'homme d'affaires. Au départ, il vend des téléviseurs. Super syrup. C'est le redressement d'entreprise. Voilà ce qui lui vaut ses premiers succès. Le premier d'importance avec Manu France, société de vente par correspondance au début des années 80, mais aussi Terraillon, Look, Laviclair, Testi, Donné, Bondel. Sa méthode à l'époque. Mais qu'est-ce qui vous fait marcher? Rachat à bas prix, parfois pour un franc symbolique, restructuration drastique avec de grosses vagues de licenciements, diversification puis revente. Les résultats sont variables, mais c'est dans ces années que Bernard Tapie bâtit sa fortune parmi les 20 plus grosses de France et sa réputation. Et nous gagnons ensemble. L'homme a de la voix et de la prestance, il donne de sa personne. Son image colle aux années 80. Il a son émission à la télévision et participe à celle des autres. Un détail sur cette vidéo de l'année 1984, ses chaussures, des Nike, une image impossible 6 ans plus tard. Bernard Tapie chausse alors des Adidas, marque qu'il rachète en 1990, l'heure de sa vie, dit-il alors. Il ne croit pas si bien dire. La société Adidas, en partie restructurée, lui rapporte quand il la revend 3 ans plus tard, mais lui coûte par la suite des années de procédure contre le crédit lyonnais, une mise en faillite et la saisie de ses biens sous l'œil des caméras. Mais bien, c'est dommage. Bernard Tapie est entré en politique, poussé par François Mitterrand, élu député de Marseille en 1980. Monsieur Tapie à Marseille, il gagne ses galons nationaux dans ce débat. Il y a le cordon bleu. Oh bah oui, il court. Ayan, attends qu'il ne tape pas ça. Qui accepte d'affronter le président du Front National sur un plateau. Vous êtes un harbleur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartara, un bluffeur. C'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai, parce que vous dites n'importe quoi. Le combat contre le FN, c'est le combat politique de Bernard Tapie. Si Le Pen est un salaud, ceux qui votent pour eux sont des salauds. François Mitterrand le fait entrer contre l'avis général dans le gouvernement d'ouverture de Pierre Bérégovoy, à qui il vole la vedette. Bernard Tapie, sous les feux de la rampe à la sortie du Conseil, a permis à Pierre Bérégovoy de s'éclipser par le petit côté
Il est juste derrière. Député pendant 6 ans, ministre de la Ville pendant 5 mois, Bernard Tapie siège aussi 3 ans à Bruxelles comme eurodéputé, étiquette radicale de gauche. Je suis pas la partie, quoi. La politique version Tapie, comme le reste, c'est au naturel. Bonsoir. Ayan, tapos na po kami kumain. Ah, sawa ko hindi pa tapos. Allez, bulldog. Pièce de théâtre, touchez mes paroles, merci de l'invitation. Dans la musique avec Doc Gineco, on est en sursis, sol, obligé avec d'où tu viens. Sarap nan bulalo. Mais Bernard Tapie a le virus des affaires. Il remet donc le nez dedans, notamment en rachetant le journal La Provence, 40 millions d'euros injectés pour sauver le quotidien. La politique le tente aussi parfois, mais il renonce à 2013. Non, pas tant. Sauf Piment. Son épouse qui l'a épaulé pendant plus de 5 ans. Avec quoi? Je suis très fier. On est Ok, moi c'est là. Tapos na po kami kumain. Salamat sa Diyos. Busog na naman si Inday sa kasi Indoy. Ay. Ay. Ayan, muntik pa. Ano na. Ayan. Ayan, salamat po. And please subscribe our YouTube channel, Cornelia Tano. And thank you po sa mga magsusubscribe at sa mga nanonood ng aming mga videos. And thank you so much sa nag-subscribe na at saka pinanood ang aming mga videos. Ayan, salamat po sa inyong lahat sa panonood nyo sa amin. Ayan. Ingat po kayo lagi dyan and God bless. Hello. And see you soon. Bye-bye. Bye-bye.